Bienvenue au Tony Slowland à Isola 2000 pour la compétition de snowboard cross des championnats de France. Le snowboard cross, c'est un circuit avec des virages relevés et des oops ou des bosses. Et bien sûr, il faut arriver le plus vite possible en bas. Au début, on commence les qualifications tout seul et ensuite 4x4. Petite visite du circuit en caméra embarquée et en vue aérienne. Ce circuit fait partie du Tony Slowland, qui est le snowpark d'Isola 2000. Tony Slowland en référence à Tony Ramoin, premier médaillé olympique de la station dans cette discipline. Depuis, il y a eu aussi Julia Pereira. Les deux étaient présents ce jour-là, un comme entraîneur de Cher Chevalier et l'autre comme compétitrice. Les qualifications ont permis d'attribuer les dossards aux concurrents. On commence avec les premiers huitièmes de finale garçons. Départ du premier huitième avec Bozzolo, Malovani, Nil et Entraigue. Je rappelle qu'on garde que les deux premiers de la poule. Deuxième huitième de finale garçon avec Surgé Merlin en jaune. Troisième huitième avec Durand, Eddy, Turki et Middle. Et c'est David Durand et Brice Middle qui se qualifient pour le tour suivant. Quatrième huitième de finale avec Chaminade en rouge, De Paris en bleu, Cotteret en vert et Balico en jaune. C'est Tanguy Chaminade et Raphaël De Paris qui se qualifient. Cinquième huitième de finale garçon. Bon, Ribera en rouge, Karpov en bleu, Surgé Louison en vert, Anyang Liu en jaune. Et ce sont Karpov et Ribera qui se qualifient. Sixième huitième de finale garçon avec Ramoin Pierre en vert, avec Couton Jean en rouge, Ramoin Pierre en bleu, Beau en vert et Gauthier en jaune. Et ce sont Couton et Ramoin qui se qualifient. Septième, huitième de finale garçon. Beauville en rouge, Gattaz en bleu, Koninenberg en vert et Merenzo en jaune. Ce sont Beauville et Gattaz qui se qualifient. Dernier, huitième de finale garçon avec Sodogas Quentin en rouge. Lafitte Raphaël en bleu, Romero en vert et Carletto en jaune. Et ce sont Sodogas et Lafitte qui se qualifient pour le tour suivant.
Le premier quart de finale filles. Chloé Trespech en rouge, Clavery Mia en bleu, Moinoko Nelly en vert et Tarnavska Tatiana en jaune. Et c'est Trespech et Moinoko oui, qui se qualifient. Deuxième quart de finale fini. Kirel Alexia en rouge, Roberts Oli en bleu, passera Chloé en vert, Alki et Naïma en jaune. Ce sont Kirel Alexia et Passera Chloé qui se qualifient. La quatrième qui arrive avec un peu de retard. Troisième quart de finale fille avec Erpa Margot en rouge, Ecolas Marine en bleu, Dons en vert et Rudnik Angelica en jaune. Et ce sont Erpin Margot et Rudnik Angelica qui se qualifient. Dernier quart de finale, filles avec Pereira Julia, notre médaille olympique en rouge, Devois Soussard en bleu, Sankour Lou en vert et Charbal Sarah en jaune. Et ce sont Julia Pereira et Sarah Devoissou qui se qualifient. Premier quart de finale homme avec Bozzolo et Serge Merlin. Loan Bozzolo et Serge Merlin qui se qualifient. Deuxième quart de finale garçon avec Durand, Midol, Chaminade et De Paris. Ce sont Durand et Chaminade qui se qualifient. Troisième quart de finale garçon avec Karpov, Ribera, Coutonjean et Ramon Pierre. Coutonjean et Ramon Pierre qui se qualifient.
Dernier quart de finale, garçon. Avec Goville, Gattaz, Sodogas et Lafitte. Goville et Gattaz se qualifient. Première demi-finale, fille. Avec 13 poches, Moinloco, Passera et Kerel. 13 poches et Kerel se qualifient. Deuxième demi-finale, fille. Avec Herpin, Rudnick, Pereira et Devoisson. Julia Pereira se qualifie et Sarah Devoisson aussi. Première demi-finale, garçon. Deuxième demi-finale, garçon. La petite finale, fille. Nous avons Rudnick Angelica, Moinloco Nelly, Herpin Margot et Passera Chloé. C'est Nelly Moinloco qui l'emporte et qui fait donc 5e de la compétition, suivi de Herpin Margot 6e, Rudnick Angelica 7e, Passera Chloé 8e. La grande finale, fille. Avec Devoisson, Sarah, Julia Pereira, Kerel, Alexia et Chloé Trespoche. Championne de France, Chloé Trespoche, deuxième, Kerel Alexia, troisième, Julia Pereira, quatrième, Devoisson Sarah. La petite finale, garçon. Avec Goville Thibault, Durand David, Couton Jean-Noah et Bozzolo Loane. C'est Bozzolo qui l'emporte, qui fait donc cinquième, Couton Jean-Noah, sixième, Durand David, septième, Goville Thibault, huitième. La grande finale, garçon. Avec Ramon Pierre, Gattaz Benjamin, Jaminet Tanguy et Surgé Merlin. Champion de France, Surgé Merlin, deuxième Jaminet Tanguy, troisième Gattaz Benjamin, quatrième Pierre Ramon. À 17h, il y avait les podiums sur le front de neige, nous y sommes allés. On commence avec les podiums des cadettes. Cadette chez les dames. La troisième, Passera Chloé. Et la première cadette vient d'éminuer, c'est Herpin Margot. C'est pour la postérité là, ce que je fais. Troisième, Lafitte Raphaël. Deuxième, vice-champion de France cadet, Sodogas Quentin. Et le premier cadet, Chris Lobob, Noah Coutangean. Junior, championne de France junior, Chris Lobog, Kerel Alexia. Bien, enfin, les filles, pas tomber. Hein. Pose les médailles pour qu'il aille. Bravo! Bravo! Bravo, Marco! J'avais oublié Merlin tout à l'heure. Le deuxième junior, c'est Gattaz Benjamin du Grand Marnais. Surgé Merlin.
Bonne. Bravo les gars. Allez les gars. T'as pas de fil tout seul, Pascal. Voilà. Hein. Qui aura Alexia. Voilà. Et la première, on peut vraiment l'applaudir. C'est une superbe saison. Ah, c'est l'occasion de l'applaudir. Chloé Tresplage, maintenant. Ouais. Bougez pas les filles, attendez. Hein. Bravo. Bravo. Bougez pas, attendez, bougez pas. Bougez pas. Champion de Bordeaux, 14 Benjamin. Ouais. Ouais. Champion de France Bordeaux, surgit Berlin. Tout le monde qui va bien, les gars. Bravo les gars. Bravo. Yes. Bougez pas. Voilà. Alors aujourd'hui, t'es pas venu pour rien à Isola 2000, t'as gagné le border, t'es à l'aise dans cette discipline ? Ouais, je suis en équipe de France de snowboard cross. Bah ouais, la journée c'est bien fini, bon, ça a un peu mal commencé, je suis tombé aux qualifications, j'ai fait 25e, donc c'est passé quand même, et bon, je me suis dit je vais me bouger pour les finales, et c'est passé, et j'ai gagné les championnats de France de snowboard cross. Ouais, donc quand t'es mal qualifié, on va expliquer un petit peu. Ceux qui ont les meilleurs temps, ils ont un dossard rouge en général. Exactement, donc c'est à 4 et on peut choisir la place dans le départ. Et du coup, plus on est loin dans le classement des qualifications, et moins on a le choix. Donc là, j'avais le dernier choix jusqu'au bout, et donc c'était pas moi qui choisissais mon départ. Un peu compliqué, mais on a fait avec. Ouais, t'es revenu du diable, quoi. Exactement, un bon retour. C'était vraiment bien, une belle journée sous le soleil d'Isola. Parfait. Bon, alors, ta saison, elle s'est passée comment ? La saison a été un peu mitigée au début en Coupe du Monde. Ça a été compliqué pour toute l'équipe. Et du coup, on allait chercher des points en Coupe d'Europe en fin de saison. Là, et on a bien perfait avec mon collègue là, Loan Bozzolo, et même les autres membres de Coupe d'Europe. Et on a ramené pas mal de points, des podiums. Et c'était vraiment bien pour le moral et pour la suite. Donc c'est fait crescendo, on va dire. Exactement, crescendo. Et là, il y a encore les championnats du monde junior la semaine prochaine. Donc à fond pour les championnats du monde junior. Bon ben bravo, est-ce que tu vas te présenter dans les autres disciplines ou t'es bon qu'en border ? Non, je suis pas bon qu'en border, mais c'est vraiment mon sport le border cross et je vais continuer là-dedans, je pense. Merci. Ken Vuagnou, alors, la dernière fois qu'on s'est vu, tu revenais des JO, je crois, plus ou moins. Comment ça s'est passé depuis ? Je me suis bien remis des JO, des grosses émotions que ça m'a procuré, et j'ai fait une très bonne préparation jusqu'à cette saison. Et bon, j'ai fait deux courses, je me suis blessé, donc ça s'est vite terminé malheureusement. Mais bon, je n'en reste pas moins motivé pour la suite, et ça va le faire. Donc là, t'es convalescent, on va dire. Bah ouais, c'est le cas. Aujourd'hui, c'était mon premier jour là depuis. Je me suis blessé le 1er février. C'était mon premier jour sur la neige. Ça va pour faire du snowboard, on va dire loisir, mais ouais, je peux pas encore faire ce que je fais d'habitude, donc je vais devoir attendre encore un peu. Bon, on t'attend pour la saison 2019-2020 alors. Eh ben, je l'espère. En tout cas, je vais tout mettre en place pour que ça le fasse et que tout le monde qui me supporte soit fier de moi. Et bon, je fais ça pour personne, mais c'est vrai que c'est agréable d'avoir du monde derrière soi. Ben, nous, on est derrière toi, en tout cas. Et je le sais, je le vois, et je suis content de venir à Isola juste pour ça, à chaque fois. Merci.